À la maison de l'huître de Pratarkoum, c'est le calme avant la tempête. Dans un mois, c'est Noël et à partir du 15 décembre, les cadences devraient commencer à s'affoler pour une quinzaine de jours. L'activité chez nous représente 35 à 40% du chiffre d'affaires de l'année. Pas 80% comme certains à Marennes-Oléron. Et bon, nous employons entre 40 et 50 personnes en plus. Des bras qu'il peinait à trouver, du moins c'est ce qu'il affirmait dans un article paru dans le Télégramme le 22 novembre dernier. On n'avait pas beaucoup de coups de fil et depuis le dernier article de M. Cabioche, le téléphone n'arrête pas de sonner. Donc il y a quand même des gens qui cherchent à travailler et tant mieux. Il faut dire que compte tenu des récents chiffres du chômage en France, avec un nouveau taux record ou plus haut depuis 11 ans, la main-d'œuvre répond présente. On est, je dirais, à 80-90% du recrutement pour les entreprises qui nous ont fait appel au jour d'aujourd'hui. On a beaucoup plus de passages et on pourrait mettre encore plus de monde au travail s'il y avait plus d'activités. Bon, c'est pas le cas. Sachant qu'en plus, parmi les habitués des saisons ostréicoles, les professionnels du secteur vont sans doute devoir, cette année, se passer des étudiants. On emploie beaucoup d'étudiants lorsqu'ils sont en vacances assez tôt. Cette année, c'est un peu trop tard, donc voilà un peu notre problème. On leur dit quelque chose, il n'y a pas besoin de leur dire deux fois. Ils tiltent bien, quoi. Et c'est très agréable de travailler avec eux. Il reste un peu plus d'une quinzaine de jours avant le démarrage de la prochaine campagne et sans doute encore quelques places à prendre.